Ce qui compte vraiment. Message de Yahushua à son prophète Byron Searle. Le 4 juin 2020. Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit : Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon fils, avec tout le chaos dans le monde, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que ça compte d'avoir de l'argent? Alors que vous voyez les événements de ce jour, les enfants du monde pillent et volent par manque d'argent. Est-ce que perdre son âme pour l'éternité vaut le peu d'argent que vous pouvez obtenir aujourd'hui? Est-ce que ça compte d'avoir un cœur fier? Beaucoup de ceux qui s'appellent par mon nom ont tellement de fierté dans leur cœur qu'ils ne peuvent jamais se tromper. Ils calomnient et mordent juste pour prouver leur point de vue. Mais ils ne voient pas la fierté dans leur propre cœur. Est-ce que ça compte d'avoir un refuge vraiment sûr? Il n'y a que les nations riches pour avoir ce genre d'idée. Qu'en est-il de mes enfants dans les pays où ils ne peuvent pas se procurer d'argent pour des refuges sûrs? Vais-je les laisser tous périr pendant que je favorise les nations riches? Je vous le dis maintenant, ça ne compte pas si vous avez un refuge sûr ou non. Quand je secourrai le monde, tous le sauront. Est-ce qu'il compte ce calendrier que vous inventez pour essayer de deviner mon retour? Non, ma parole dit que vous ne connaîtrez pas le jour ou l'heure. Alors pourquoi perdre votre temps à essayer de deviner? Est-ce que ça compte de savoir qui est l'Antéchrist? Non. Si vous saviez qui il est, que pourriez-vous faire? L'annoncer au monde? Peut-être pourriez-vous amener un groupe de personnes à aller contre lui? Peut-être que vous pourriez essayer de le réprimander? Ça ne compte pas. Il se lèvera, il fera la guerre aux saints et il vaincra. Alors pourquoi perdre votre temps à essayer de deviner? Mon fils, voici ce qui compte dans les derniers jours. Prêcher l'évangile dans un monde perdu, et cela inclut mon église remplie de péchés. Crie « Repentez-vous, 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 détournez-vous de vos mauvaises voies. » Ne vous inquiétez pas ou ne réfléchissez pas aux situations actuelles, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'atteindre les égarés avec l'évangile. Prêchez le salut par la foi en moi. Partagez l'évangile et ne pas céder au système mondial. Mon fils, ce qui compte, c'est que ma parole et les prophéties qui y sont contenues arriveront très bientôt. Certaines ont déjà commencé et beaucoup d'autres seront réalisées dans les prochains jours. Crie, repentez-vous à ceux qui sont fiers. Crie, repentez-vous à ceux qui placent la richesse matérielle et les choses au-dessus de moi. Mes enfants, les petites choses et les soucis de ce monde ne comptent pas. Tout ce qui compte est l'état de votre cœur lorsque je sortirai la trompette. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. J'apporte davantage de tests sur mes enfants. Ferez-vous ce qui compte vraiment? Aimez vos frères et sœurs et ne parlez pas en mal d'eux. Priez les uns pour les autres de pouvoir rester debout dans ces derniers jours. Je vous aime tous et c'est ce qui compte le plus. Amen. Donné par le Seigneur Jésus-Christ.